Wesh les potes! Tac tac tac. T'as remis la bonne scène? Tac tac tac. Perfect. Ah, il y a Bug qui est déjà revenu. Bon, écoutez, je suis un peu débile, ne vous inquiétez pas. Je suis pas le mec le plus doué au monde. Ouais, désolé. Bon, je suis pas le mec le plus doué au monde. On va dire que j'ai éteint le PC sans faire exprès. Ce qui, d'ailleurs, bien joué à moi. Mais bon. Donc, pour revenir à ce que je disais, qui est je ne sais plus quoi, je reviens sur le terrain. Parce que je suis comme un imbécile. Donc ouais, non, c'était un peu avant, je crois. Ok, non, c'est pas là. Ah non, c'est bien là. Tac, 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 il me offstage, je reviens. Je reviens bien pour le coup, même. Ok, c'est là, ouais. Donc là, je recule, et donc là, bah, en fait, faut que je chope le ledge au lieu de vouloir aller air dodge. En fait, je voulais air dodge en me disant, s'il prend pas une option directement, j'ai l'avantage, je le strap. Mais bon. Il a reconnu la situation, il a juste fait la bonne option. C'est ma faute. Voilà. Now stage. J'ai. Bon, il me fait taper. Enfin, il me fait pas trop. Pour le coup, mais je garde pas parce que je joue plutôt bien. J'arrive même à le mettre lui dans une situation assez mauvaise. Mais il arrive à bien s'en sortir parce qu'il joue vite. En fait, il me mettait plein d'options. Enfin, plein de situations dont je connaissais pas. Oh. Oh. Ça touche pas ça? Il mettait souvent plein de questions avec ses options et je répondais pas assez vite. Oh, je crois que c'est le grab qui a fait qu'il a avancé Airbox et du coup je passe derrière lui. Oh, Ultimate va te faire foutre. Aïe 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 aïe. Bon, du coup je suis un bouffon. Hein. Tac tac, je reviens. Bon, c'est très risqué encore une fois. C'est moi le frère de jeune préféré des Français? Oh aïe 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 aïe. Comment tu vas, Elise? Aïe aïe aïe. Bah dis-toi, je viens juste d'éteindre le PC en plein stream. Du coup, on vient de relancer le stream. Du coup, je suis un mec bien doué. Tac. Ah, ce neutral bee, il me hante. Gros, je suis obligé de le regarder. Non, attends, loupe pas, regarde ça. Genre, je le mets au ledge parce que je suis un mec chaud. Je read qui va faire rien. Et je passe derrière lui en neutral bee, genre. C'est scandaleux. Bon, là, la Rico, elle est un peu agressive. On va pas se mentir, mais bon, pour le coup, j'ai vu qu'il était après pas. C'est tranquille. C'est grâce à celui que je suis venu. En vrai, bénef. Bénef de fou. Tac, tac, tac. Et donc, un peu complexe, on va pas se mentir. Je me fais grab, j'ai beaucoup de retard. Il n'y a pas grand chose à. Pas grand chose qui me. J'ai pas beaucoup d'espoir, on va pas se mentir. Et je meurs sur le side B parce que je crois que c'est deux fois de suite que je suis agressif au ledge. Il me semble quand je. Ah non, 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 j'ai fait la réco haute. En fait, tu passes derrière lui, c'est de ta faute. Oh oui, non, c'est complètement de ma faute. Mais en fait, si. Parce que j'ai trop drift, j'aurais pu drift un peu moins. Mais en fait, s'il n'est pas grave, je pense que je passais devant, dans tous les cas. Mais, en vrai, je pouvais le faire pour que dans tous les cas, ils le prennent, donc c'est ma faute. Y a pas trop à parler. J'aime bien plein. Donc là, je panique, j'ai beaucoup de retard, je veux sortir sur le strap, je tape fort. Je tape, je tape, je tape. Bon, il me tape. D'ailleurs, la raison pour laquelle je veux taper Léon particulièrement, plus qu'un Nirose, non, j'ai envie de taper plus, mais je veux dire plus qu'un, je sais pas, un Rafle ou quoi, c'est parce que Léon, il a dit que s'il perd un jour contre un Wario autre que Gluto, c'est une énorme salope. J'arrive, et je vais lui prouver, mais bon. Tac, tac, tac. Juste analyser une autre game. La troisième, je l'ai déjà vue, c'est la game la plus close. Donc, en réalité, celle qui m'intéresse pas le moins, parce qu'en fait, c'est intéressant pourquoi ça est close, mais celle où j'ai fait le moins d'erreurs. Donc, on commence. Hop là, essayer de punir. Bah, pour le coup, exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup chill dans toutes les situations de cette play. Et là, regardez, je le tape avec quelque chose de safe. Il s'est dit, il va chill. Il a dash grab avant même que. Enfin, de pouvoir réagir à ce que je fais. Et donc, moi, je punis. Hop là, situation d'avantage. Franchement.
7 plaies de zinz, j'ai bien appris. La petite phase d'avantage, 70%. On prend. Hein, sur le meilleur joueur deuxième meilleur joueur français, on prend. Up B qui punit, 80%. On trade, on joue off stage. Je tente des reads. C'est mon problème, c'est que je fais trop de reads. Gluto me l'a dit. C'est regardez là, tout se passe bien. Je fais des petits drift out, drift in, tu vois là, en trade, etc. D'ailleurs, on rappelle que le fer de Wario est disjoint. Sinon, c'est pas drôle. Il a besoin de ça, le personnage. Le personnage a besoin de ça, d'accord? Et ce qui en fait, c'est ce qui fait que j'ai trade avec une épée, quoi. C'est que j'étais un peu rapproché, en plus, il disjoint. Et là, par contre, regardez, land, je joue plutôt safe. J'alterne entre des drift out, des drift in, etc. Des t-shirts top. Oh, c'est un vrai DLC Wario. Et d'un coup, je fais un. Bon, là, on l'a pas vu, mais je commence à sortir un backer. En read. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. J'ai craqué, donc je lâche mon avantage pour pas grand-chose. Il fallait être discipliné. La rigueur, je ne l'ai pas eu. Et donc là, il me tape. J'ai fait un EB. Bon, je suis bourré. Ouais, je pensais qu'il serait sur moi. D'accord. Bon. Bah écoutez, ça se voyait que j'étais un peu sous pression, hein, on va se mentir. Mais donc ouais, je prends un back air, je prends un pair, je continue, je prends encore un pair. Là, j'essaie de land. Je retrouve la plateforme, comme je disais tout à l'heure, mes meilleurs amis. Là, je voulais punir et l'angler vers le haut pour avoir une hitbox un peu plus haute. Ça fait mal. Et là, une situation où j'avais mis 80% à 10, je me retrouve à 100 à 90, quoi. Il m'a bien 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 comeback et ça part de moi qui a tenté une read au backer. Ça va, il tente des reads bizarres, il ne me tue pas. Je joue plutôt. Voilà, c'est comme ça qu'on joue cette play, monsieur. Regardez, un petit don't tilt safe. On aime bien. Don't tilt, on recule, back, back here. C'est ça qu'on veut, monsieur dame. Là, je veux pas exiler dans le scénario, on va pas se mentir. Hein. C'est très très rare déjà le scénario. Le trailbin ne tue pas, donc j'ai joué avec la moto. Moto qui est super fin en situation. Lui, il a cramé le double saut. Mais vu que j'ai tenté une read parce que je suis un imbécile, j'ai même pas pu en profiter. Je regardais. Situation, je mets la moto pour le forcer à prendre une option rapidement. Donc il saute, je me mets devant lui, donc il a peur, donc il recule. Donc après, il est obligé de double saut pour pas avoir peur en landing. Et vu que moi, j'ai voulu catch le landing avant qu'il lande. Et bah lui il double saut, il passe au-dessus. Et alors que là, dans une situation où il saute et je n'ai pas sauté, je peux le punir. Mais bon, et en plus il me reverse. Mais là je crois que je vais le tuer. Ah, bah, je vais pas le tuer maintenant. Il a l'air de bien. Down air, j'ai encore jamais tapé en désavantage sur les trois games. Enfin, deux games précédentes et celle-là, donc je me le suis permis une fois. Ça me permet d'avoir le stock, c'est mignon. Là, je crois que je vais même pas lui mettre un seul pourcent, il va me side B. Ouais, voilà. Oh, le side B, il a touché tellement à l'autre bout du monde, j'ai trop le démon. Ouais. En fait, le saut air dodge j'étais pas mauvais. Bon. Salut Godrim, salut. Bon, even, mais en réalité, even à ce moment-là, c'est pas even. Hein. Moi, j'ai gagné du temps, j'ai gagné 1 minute 30, j'ai déjà un mid-waft. Concrètement, je suis en avantage. Mais j'en ai pas tiré autant que j'aurais pu. On trouve un bon air en plus. On fait pas 3 paires parce qu'on ne sait pas jouer à ce jeu vidéo. C'est cool, en tout cas, que je mets une Wario depuis 2 ans. 37% avec une ouverture de Wario, un bon air sous une plateforme, c'est famélique. Hein. On dira. Et donc là, alors par contre, frère, j'ai un désavantage, je savais pas quoi faire. Hein. On pourrait croire que je suis juste nul, ce qui est probablement le cas, mais j'avais vraiment pas de compréhension de quoi faire. J'avais pas appréhendé les options qu'il fallait que je prenne. Pardon. Donc là, il me fait une bonne situation, mais là. Ouais, non, mais je prends 4 paires, tu vois, mais en fait. Là, ça part d'un neutral B qui part faire son back, je crois. Je crois que j'essaie de taper, donc je suis un fou. Donc, ça c'est trou, ça c'est trou, ça c'est trou. Ouais, j'aurais juste R2 sur la plateforme, je pense. C'est une option que je vois beaucoup plutôt faire à cet endroit-là. R2 directionnel plateforme, pas mauvais. Moi, j'aurais dû le faire. Et après, là, bah, je pense que j'ai fait. Il a puni. Si je fais pas mon saut fer dans le shield, ma daronne explose. Donc apparemment je tiens à ma daronne. Ça va, là il tente des rides bizarres. Alors, on va mettre le son 2 secondes. Trop. Oh, voilà. On tape en désavantage, on Voilà. se fait rattraper Ouh, je tape par en la direct du désavantage. veille au grain. Ça c'est vrai. Mais en désavantage en plus, Bastos il utilise bien Wario, il fait le taf, il drift, tu vois, Tac, il tac, au claque. pair.
Regardez, au moment où je touche le père, regardez le temps que je dois mettre pour trouver sa plateforme. En plus, double saut. Il y avait pas. En plus, lui, il a double saut là. Il y avait pas de waf trou, je le dis. Parce que trop... qu'ils disent. Non, il y a pas cru. Non, j'ai pas cru parce qu'il y avait pas de waf trou. Ça n'existe pas le waf à ce moment. Donc voilà, c'est tout. Au moins, il y a pas de diffamation. Je sais encore. Je joue vite fait le perso. J'ai réussi à faire des waf dans ma vie. Pour une fois, j'avais pas tant. Le reste du temps, j'ai mal joué, hein, pas senti. J'ai fait la bonne taking qui me permet de pas mourir dedans de smash. On aime bien. Alors ça par contre, en fait il y a une propriété, une fois que la moto a touché le stage, elle ne peut plus, elle n'a plus d'hitbox. Donc moi dans ma tête, quand je vois Lucina avec ses petits bras, je sais qu'elle envoie pas la moto loin parce qu'elle a des petits bras, dans ma tête elle me touche pas, tu vois. Genre comment là elle touche pas le stage avant de me toucher moi? Ça joue tellement à deux frames genre. Bon ben, forcément, en plus sinon c'est pas drôle, quand vous lancez la moto c'est aléatoire la position 4. C'est-à-dire elle pouvait très bien être genre en Y. Elle pouvait très bien être complètement horizontale, c'est aléatoire. Donc en vrai, pas de chance et enfin pas de chance, mauvaise reconnaissance de la situation, bon, pas grand chose à dire. Mais je suis mort, donc j'ai le démon. Tac. Bon, en vrai, en soi le neutral je jouais pas si mal que ça, tu vois. J'arrivais à trouver des trucs, des zones d'ouverture et je pensais que j'aurais bien plus de mal face à l'Hallucinal Lyon. Pour le coup, je suis plus ou moins content. Mais Trump, j'ai la bonne air dodge. Mais là, j'arrive pas à bouger quoi. Il me tape beaucoup, il sait où je suis. C'est dur de get in contre Lucina. Et voilà, la deuxième edgeguard dont je parlais du set. C'est la seule edgeguard qui fera réel. En fait, réel edgeguard qui vient pas de moi qui fait une moto dans le neutral. Enfin, dans la zone rouge, pardon. Donc bon, elle est descente. Vas-y, tiens, je suis un ouf. On va analyser la prochaine game. Oui, je sais. Non, mais en réalité, j'avais mon plan de neutral était bon et j'avais un bon neutral. Juste le Sina a tellement un meilleur neutral qu'il faut avoir un neutral excellent avec le Wario pour gagner. Pardon. Donc, on va continuer. Dernière game. Celle-là, on va faire un peu vite parce que je commence à fatiguer. Parce que j'ai déjà analysé un set avant. Et puis que je la connais par cœur cette game parce qu'elle me hante. Donc, je bait bien. Je mets mes coups. Je reste safe. En vrai, je voulais rester safe, mais la portée de Lucina me surprend encore. Je prends un juggle assez logique. Tac, Léon il tape beaucoup. Après, je pense que c'est sûrement le match-up, mais il tape beaucoup quand même. Je lande dessus parce que je pensais à un drift back. Bon, là, je pense que j'aurais pu shield le B, mais il a su que je shield très peu après mes pairs. Là, j'attends bien, je me trouve pair, les classiques. Voilà, je joue super bien le juggle. Regardez pourquoi j'ai bien joué le juggle. C'est vraiment un truc dont je suis fier parce que j'ai vraiment bien amélioré. C'est ça, c'est trou. Il n'y a rien à faire. C'est trou. Par contre, là, je vois, il me lande dessus. Je suis un père en plus qui. Alors, aurait pu être mieux en short top. Mais en réalité, il est pas mauvais parce que du coup, je le touche. Parce que je voyais qu'il allait. Il me saute dessus. Donc, je me dis, bon, je mets un coup. Je fais un autre père qui, s'il touche. Enfin, touche et j'ai un combo et je mets pour ça et je le juggle. S'il touche pas, il est obligé de sauter ou dire dodge et j'ai un frame trap parce que j'aurais pu le petit sur plateforme. Au final, il saute. Donc moi je lande, je vois qu'il lande sur moi, donc moi je redescends d'un niveau pour pouvoir encore avoir situation de juggle. Je vois, et en général les gens vont chier à cet endroit là, je mange. J'avais bien read de l'air dodge, j'ai mal puni. My bad. Le B est pas trop, du coup je prends une punish, parce qu'il a bien mix up son side B. Je dash shield beaucoup, peut-être trop. Faudrait que je vois comment Gluto joue le matchup vraiment. Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup raidé Gluto Léon, hein, mais en soit d'analyse de matchup, je sais pas si j'ai beaucoup fait. Le petit qui tue, et bah il y a sûrement une meilleure DI, mais je me rappelais plus exactement quelle DI j'ai fait. Et je saurais pas dire comme ça en regardant quelle DI j'aurais dû faire. Là c'est bien, on a tous deux spot dodge. Et j'ai garde Léon, c'est dans le CV, hein, messieurs dames. On pense à vous, hein, les sponsors qui actuellement me regardent le joueur le plus en vogue de la région. Regardez, j'ai garde Léon, voilà. C'est dans le CV. Non, en vrai, j'ai décemment joué, il s'est approché un peu trop, etc. Une ouverture de neutral, un petit nerf à 0%. En plus, j'avais pas encore de rage, parce que la rage commence à 30. 70%, ouais, j'aurais pu continuer. 70%, BG, ça mérite un clip. En vrai, non. Mais j'ai d'autres clips qui tournent sur Twitter, n'hésite pas à regarder.
Ah, le combo il est à 50 euros, à 5, à 5 euros de ouf, hein. Parce que je mets 70 et le mec est en juggle. Genre. Et c'est pas fini. En fait, ouais, la rage ça commence à 30, ça finit à 150. La rage commence à 30, ça finit à 150. Pec, pec, pec. Bon, alors là, je suis un peu un Yankee. Putain, mais c'est trop débile mon perso, genre. Oh, mais je bait bien et tout. Bon, là, je prends un fer. Là, je prends un autre fer. Bon, deuxième fer est dommage parce qu'en fait, je comptais shit sur plateforme et au final, ça m'a fait une air dodge. Donc, deuxième, on peut le comprendre. Là, il me met un lock, machin. Oh, là, je bait bien. Bon, ce backer, ça me zipoute. Cette moto, c'était débile. Putain, mais j'ai trop le problème de moto. Hein. J'en fais trop. Ils le disent tout le temps en casse. À chaque fois, je fais ouais. Et à chaque fois en game, je continue à en faire. Voilà, voilà, c'est situation bourrée. En fait, on est tous les deux en moto. On veut faire des tilts tous les deux. Et en fait, on récupère tous les deux la moto. Voilà, il avait voulu F-tilt, par exemple. Ou down tilt. Et il l'a chopé. Pas de chance. Regardez là. Hop. Take. On veut B. Oh, yoy, 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 yoy. 5 euros. Et ça va là. Oh. J'ai take. Mais je take. Certes. Mais je take. Bon, la moto là, elle était bien. Si je sautais après, mais j'ai essayé de rester dessus parce que je suis un imbécile. C'est pas un edgeguard. Non, non, j'espère. Oui, mon perso est débile, t'inquiète pas. Genre là, mon EB, il se téléporte. En fait, c'est trop drôle le B de Wario quand tu le mets contre un mur, il téléporte bizarrement. T'as déjà prévu que le mec allait prendre la moto et t'as puni en conséquence? J'ai déjà prévu que le mec serait débile avec la moto, oui. En... Non, 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 vraiment, même des boosts vachement chauds. Et en vrai, je le fais assez régulièrement. Et puis je tombe sur le seul mec qui a compris comment marche la moto et je me fais punir. Et ça m'est déjà arrivé que vraiment, une fois, je tombe sur un mec, je suis putain, mais quand t'as su, je sais plus où c'était. Il m'a dit, ouais, j'ai appris que la moto c'était débile et du coup, j'ai joué en conséquence. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est lui. Ça m'est déjà arrivé. Putain, en vrai, je pensais que le B allait grab le ledge, là, vu que c'était au tout début, ça va pas grave. Donc là, cette game est très close. Elle est pour lui, mais elle reste close. 111%, 114, c'était pas très très heureux avec le sniper. En plus. Bon, là, déjà, j'ai les landes sur lui, là, j'ai envie de me battre. Bon, moi, je tech bien. Moi, hein. Bon, j'ai ça après, m'a pris un jab block, mais je tech bien. Ça c'est une option. J'appelle ça une option de boucher. En soi, je sais pas pourquoi, je pense que ça s'en mettre une bonne idée et au final, ça a marché. Mais cette moto-là, là. Il fait un saut faire, je suis mort. Hein. Il n'y a pas de. On discute pas trop, c'est fini. Mais bon, j'ai la chance, j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, bon, je voulais grab. Il a guide up attack, il est vachement fort. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Il est chaud. D'un petit dash qui tue, on aime bien. C'est mieux d'un perso qui a un confirm de, 0, de genre 80 à 150 avec un truc safe. Ouais, c'est un bon perso. Donc là, deux choses. Déjà, je trouve un air. Ah, pas celui-là. Après, je remonte sur le terrain. Je crois que je vais. Oh, voilà. Tac. Alors, là, je rate mon face-hole en fait. Je rate mon face-hole drift. Tu kiffes le moto à cet endroit, juste. Aïe. Mais non, non, moi, je ne jouerai jamais. Bah, parce qu'en fait, je joue un perso honnête. En fait. 5 euros. Non, bah oui, mais Steve, c'est plus. Donc voilà. Et c'est vrai que je devrais payer 5 euros. Mais non, non, Steve, je déteste. Et là, je trouve un autre combo. Et là, hop là, hop là, hop là. Et là, tu te dis, Basto, c'est la flex il y a 10 minutes en stream qui connaissait ses setup waft. Il waft, donc il va tuer. Donc là, il est mort, le mec. Oh non, parce que je l'envoie à droite. Ah ouais, il a bien DI. Enfin, non, il a mal DI, mais ça a été, c'est une bonne DI parce que moi, j'ai bien DI. Parce que moi, j'ai fait le con. Parce qu'en réalité, pour ceux qui ne connaissent pas, là, il DI out, je pense que j'ai rien. J'ai peut-être upper waft, mais ça me paraît bizarre. Alors que lui là il fait DI in pour en fait retrouver la plateforme. Et en fait il DI in en fait pour pas prendre un waft qu'il mettrait. En fait s'il DI out, je fais juste ce waft il meurt. Sauf qu'il DI in du coup je trouve la plateforme et du coup là je peux le tuer si je drift à peine à droite et j'ai pas de drift du tout. Et du coup il est full in. Il est full in. Il arrive à savoir que ça va bien se passer. Il n'y a pas de savoir, c'est. Ouais voilà en fait. En fait, out était sûr de mourir, in était, il savait pas, mais il était aussi sûr de mourir, juste je suis un con. Mais in, il pensait qu'il mourrait pas, ce qu'il m'a dit à la fin. Et donc, bah, je le tue pas. Donc là, il est quand même sur son avantage, je vais faire semblant d'aller les garder même pas, bon, on peut pas.
Je ride. Alors, c'est ça qui a fait que j'ai perdu le set. Honnêtement, enfin, cette game en tout cas. Plus cette game que le set. Je ride trop l'edge. En fait, à ce moment-là, je veux trop le tuer et du coup, je fais des rides. Genre, ça, c'est une ride. C'est pas un strap safe, c'est rien. Donc là, il retrouve, je me fais reverse. Bang. Hop là, j'arrive à bien jouer. Là, je remets en situation du strap. Et c'est fort. Hein. Je refais une ride wave tilt sur un normal get-up. Ok. Je me fais reverse donc. Tac, 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 dash attack. Je le re-strap et je refais une ride. Ça va aussi ma tête, frère. Oui, je suis un fils de timbre, genre. Je suis vraiment trop con. Je suis trop le démon. Donc il me tue. J'ai bien le démon. Je check mon ami Léon. Et il part en grande finale, enfin en winners finale, se faire taper par Naskino, puis perdre en loser finale contre notre ami Mescrawl. Mescrawl, Mescrawl. Parler en ce moment et sortir cette game contre Léon, alors certes, il a perdu, Léon a été meilleur, il n'y a aucun doute. Mais Bastos a quand même fait une très belle prestation. J'avoue, je fais une très belle prestation. C'est pas forcément la prestation qu'on attendait. J'avoue, on l'attendait pas non plus. Pas. Enfin, moi je l'attendais. Clairement, mais... Bast, c'était vraiment très bien ce qu'il nous a proposé là-dessus, Bastos. Léon Mescol, ouais, 60 et des patates. J'ai perdu contre Mescol en loser 3-1. Donc ça va, tu vas un tournoi 116 joueurs, tu fais 4ème sur 116 et tu perds contre 2 top 5 FR. Bon, en soi c'est honnête, mais ça me satisfait pas parce que j'ai quand même perdu et je pouvais bien mieux jouer. Genre. Mais bon. C'est comme ça, hein. Je les jouerai la prochaine fois. Mais la prochaine fois, je viendrai bien plus énervé et avec un peu de chance, avec un. Les 6, c'est même pas les 3, les 8, c'est pour les 6. Mais ouais, c'est le top 6 qui avait le CP. Je suis d'accord, c'est décevant de ouf. Wesh, mon bro back. Ça va, mon meilleur pote back. Et grâce à toi, en ce moment, full follow, les faves, tout. Hein, donc, merci, mon ref. J'ai perdu contre Bassos. Ouais, mais t'as perdu contre un mec qui a perdu contre 2 top 5 FR. En ça. Ça va, non? Puis j'ai 3-0 altec. Tu as volé la game? Bon, j'ai volé pas mal de games, mais. Tiens, mon meilleur pote, c'est Eli, regarde. Non, c'est après. Mon meilleur pote, Eli. Ça, c'est des questions. Y'a que les Lyonnais qui peuvent répondre. Oh, mais ce qu'on a en vrai top 5, hein? Non? Ouais, je trouve les top 5. Ouais, top 5, top 10. Mais c'est top 10, c'est genre 7ème. Genre 6-7ème, tu vois. Je crois que j'ai joué avant ça. Il t'a donné follow? Ah, le roi. Attends. Tac, 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 tac. C'est pas une hot take. Ah oui, ok. Donc, ouais, donc là, il y a loser quarter back contre moi. Donc, game 1, il me fume. Je vais vous faire un petit résumé parce que peut-être vous avez pas vu en fait. Je ne sais pas. D'ailleurs, Wartox, beaucoup dans le chat à me parler. Wartox, ça parle beaucoup dans le chat, ça parle pas beaucoup dans les DM. Bon, hein, on dira rien. Mais c'est top 5. Ouais, ouais, d'accord. Tac, tac, tac. Non, il y a déjà 1-1. J'aime pas ça. Voilà, donc là, imaginons cette situation-là. Bon, n'importe quelle personne saine d'esprit dit que c'est even. Et là, mon meilleur pote back, il a 29%. Et là, mon meilleur pote back, il shield le ledge et je sais pas pourquoi, dans quel monde il s'est dit que c'est une bonne idée. Après, il a paniqué, hein, genre c'est normal. Je panique aussi, t'inquiète pas. Il roll out. Regarde Wario comment il regarde droit dans les yeux le Yoshi, fait Presse-moi, tu lui donnes 5 balles directement. Franchement. Ouais, ça doit sûrement donner un truc du genre. Ça y... En fait, je te jure, c'est genre Gluto, Léon, Raflo, Mescol. Et je sais pas c'est qui le cinquième. Ça peut être Flo, ça peut être Orion, peut-être Roger. Et bon, le Waft qui tue quoi. T'es bien trop content après ton match. Trop heureux. De la deuxième stock. Là, vu que j'avais une casquette, même chose, c'est bordel. Donc je me fais mignon. Et en même temps, quand t'écoutes derrière. Le monde est méchant, et surtout regardez là, je vais être tout content. Le public me regardait et il me foutait de ma gueule. Enfin, il se foutait de ma gueule, non, il était plutôt en train de rire. Et moi, je. Bizarre. Ouais, je suis content. Ouais. Donc voilà. Voilà. Et après, bon, j'ai mis des petits. N'hésitez pas, voilà. Donc voilà, messieurs, dames, c'est fini. C'est fini. Non.
Ah ah! Comme toi, par contre. Voilà, donc messieurs, dames, c'était un stream offert par Smash Grenoble et Bastos CSBU. Attends, N'hésitez pas pas à les me DM, follow. j'insulte beaucoup. Ah ouais, pas cela. Ah ouais. 500, on a passé 500 abonnés, merci à vous. Bah écoute. Mais arrête de mettre tombeuse. Merci vous. Bah oui, mec! N'hésitez pas à un petit guide sur Mario hein, pour pas prendre des nerfs off tolé déjà à 29%. Je suis une merde. Bah c'est le mec le plus gentil de cette commune, tu fais ça, je suis trop une merde. Ouais, c'est grave une merde. Mais non, non, du coup, franchement, merci les gars pour le stream, c'est vachement cool. Ah non, c'est pas pour moi les notifications. Bah non. Oui, j'ai réflexe. Oui, je suis un peu débile. Merci les gars d'être venus. Du coup, avant, on a fait le set donc, de deux Grenoblois. En fait, c'est ce qui va se passer souvent sur Smash Grenoble. Donc, je vais pas tout le temps être le streamer. En fait, ce sera souvent. Enfin, déjà, c'est tout le temps en général chez Loupa. Loupa le streamer. Donc, Loupa head Théo Grenoblois qui se tient à côté de moi. Et en fait, on fait ça. Donc, là, je me suis permis de faire une analyse pour moi-même. Tu vois, qui a aussi permis au WarioCord et à d'autres de voir. Mais avant, j'ai fait en fait un match entre deux Grenoblois. C'est donc passé une de nos weekly. Tous les jeudis. Donc, jeudi soir, début à 19h, ouverture 17h30, 18h. Pour le free play, et en fait, on est en général 40, etc. Et donc, nos matchs qui sont en stream, on les analyse. Donc, là, j'ai analysé un Marius versus équipe, donc ZD16 Souk, truc très intéressant, en plus du bon niveau grenoblois. Et donc, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on aura des Moon par exemple, Mushroom Punch, des Batables qui et vont pouvoir analyser. Ce jeudi, pas de Bastos. Donc, et ce jeudi, pour une fois, pas Bastos en stream parce que je serai à la SLS. Donc la Smash League Series, donc League of Legends pour les Smashers. Et donc il y a enfin un notebook que moi qui va gagner. On va donner du buzz. On espère qu'il y a quelqu'un d'autre que Moon ou débattable. J'espère que c'est pas Zekip, parce que si c'est un autre français, c'est pas un français, j'ai un peu le démon. Tu sais, je veux que ça reste Grenoblois quand même, tu vois. Bon, Moon il vient donner les sous-bois, d'accord. Certes. Moon il va tryhard, c'est grand mort, je dis. Mais il a raison, frère. Vous tapez qui? Attends, on a dit qu'on tapait quoi? Attends, vous tapez qui, comment ça? Comment ça tape qui? C'est pas, on a dit, on a envie de taper quelqu'un. Bastos, bon, je tape tout Grenoble, mais c'est une autre question, ça. Mais du coup, ouais, non, il y aura du monde qui va se taper, là. Ah, la SLS! On tape la Finesse, je crois. L'équipe de la Finesse. La Finesse Corp. Ça va être bien stylé. Il me semble que c'est ça, je peux dire une bêtise. Non, c'est ça. Et puis nous, on est une équipe de fous furieux. Genre, top lane, je sais pas. Tu pourras en parler en DM Twitter. Non, mais attends, ça va, frère. Juste ça. Tu sais, c'est qui notre top laner ou pas, Elias? Non, c'est jeudi soir. Jeudi soir. Mais toi, c'est pas qui c'est notre top laner. Mais si, le Dozo, le Kled. C'est Zongo le Dozo. C'est Zongo le Dozo, notre top laner, mec. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oh, il y a Amadeus. Bon, t'arrives pour la fin, hein, là, on arrête. Hein. Mais Zongo le Dozo, top laner. Et en fait, c'est un book qui est Grandmaster Challenger, qui joue OTP Kled de base, mais qui joue aussi beaucoup d'autres persos. Et qui en fait est un pote de notre manager coach. Et c'est trop trop drôle, genre. Parce que du coup, il solo win. Et en fait, on a le droit à un non-smasher par team, et lui, c'est notre non-smasher. On a recruté le bon. Toujours pas, c'est bon, on va pouvoir revenir. Ah, tu veux mettre la bonne victoire de... On va essayer de revenir sur ce stage. Et là, on essaye de mettre la pression. Oui, mais on a droit à un non-smasher. Voilà, Max Kino. Oh, incroyable. Il m'a enculé les oreilles. Mais ouais, du coup, on a un peu sauté sur le monsieur. On a droit à un non-smasher et du coup, il nous met très très bien. Oh, yeah. En plus, c'est stream. Je pense qu'il est peut-être déjà en stream. Genre, est-ce que si tu tapes Zongo, on le voit en stream? Ouais, il est en stream. Donc, genre, vous pouvez aller voir si vous voulez voir. Notre meilleur pote Zongo le Dozo. Et on est trop heureux, mec. Enfin, voilà. Ouais, bah en fait, ouais, parce qu'il y a 100 balles en plus pour les gagnants. Enfin, il y a 500 balles pour les gagnants de la SLS, donc 100 par joueur. Enfin, le coach va lâcher sa meilleure prime, et on va parler mandarin. Donc voilà. Oh, les certifi- ah oui, non, c'est quelqu'un. Hein. On parle de quelqu'un. Hein. Oh, on a fait un mercato de zinz. Avec 5D en support. Je crois Jungle, c'est Rudy. Ouais, monsieur, enfin, bref. Bon, écoutez, messieurs, on va s'arrêter parce que mon ami et moi, on a envie de se poser un peu. Merci pour le stream, c'est des retours sur ce que je dis, la merde, le stream, le son, machin, on est au courant du grésillement. Et à part ça, bien carré. Passez une bonne nuit, messieurs, dames, et ouais, au revoir. Bonne nuit et à demain soir.